pour vous faire un petit coucou et vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai Fifi, vous voyez, en ce moment je l'ai souvent parce que là mon mari est en train de faire le ménage en bas. Oui, encore. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu hier, et puis là parce qu'elle est toute sèche, ça y est, je vous remonte la boîte que j'ai terminée hier. Si Fifi veut bien me laisser la montrer. Donc voilà, c'était une boîte que j'avais en commande. Vous voyez, maintenant elle est sèche, donc elle se ferme très bien. Voilà, donc bon, il y a malheureusement derrière ce Santoro qui se met à l'envers, mais là je n'y peux rien, c'est le tissu hein, qui est comme ça. On va laisser passer Fifi. Hein. Voyez ? Bon, merci. Donc voilà, voyez, donc là elle est toute sèche. C'est complètement terminé. Donc je vous remontre la fermeture. Donc c'était un aimant, voilà. Et il donne pas des coups de, elle donne des coups de boule dans la boîte. Bon, voilà. Elle veut pas. Mais il n'y a pas que toi. Elle veut qu'on la regarde, elle. Donc on va essayer de l'autre côté. Non. Fifi. Je peux montrer la boîte, Fifi? Vous me disiez que Fifi vous avait manqué. Ben voilà. Ma grosse babache. Ma grosse babache. Alors, je vous disais qu'elle se fermait par un aimant. Et voilà, quand on l'ouvre. Et voilà l'intérieur. Il est entièrement sec. Et elle se referme très très bien maintenant. Voilà. Donc là, elle va rester quand même sous presse pour jusqu'à ce qu'elle parte. Là, je vais contacter la personne qui me l'a commandé tout à l'heure. Attendez, je vais la remettre là-bas pour pas que Fifi y touche. Voilà. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vais en faire beaucoup aujourd'hui parce que bon, il fait à peu près bon. Donc on a du soleil, donc on va peut-être aller promener les chiens parce que Pacha n'est pas encore sorti vraiment, bon il est sorti dans notre cour mais il ne connaît pas encore la rue, donc on va peut-être aller faire une petite balade autour du quartier avec Pacha en laisse. Oh Fifi, arrête de montrer ton cucu, c'est pas beau, montrer ça à la caméra. Donc aujourd'hui, donc je disais, je vais attaquer la boîte, une boîte que je vais faire, bon, qui elle n'est pas en commande, mais qui sera en vente. Voilà. Donc j'ai terminé de couper tous les morceaux de carton. Alors j'hésite encore sur le tissu. Oh. J'hésite encore sur le tissu. Je ne sais pas quel tissu je vais faire exactement. Je ne sais pas si je vais faire sur du tissu un peu... Elle ne me laissera pas tranquille. Un peu style japonais. Avec des tissus dans les tons noirs, vous voyez, dans ces tissus-là. Donc, pour les intérieurs, les extérieurs, voilà. Donc je vais voir. Donc là j'ai pas encore vraiment l'idée. Enfin si j'ai l'idée, mais bon, elle n'est pas encore tout à fait terminée dans ma tête. Ce que je voulais faire avec un tissu imitation cuir, mais déjà d'une, j'ai peur de ne pas en avoir assez. Et il faut que je voie au pliage si ça va. Donc il faut que je fasse des essais d'abord. Donc voilà, donc là je peux pas vous, comme je vous avais dit, je ne sais pas si je vais vous filmer le déroulé de la construction de cette boîte. Enfin, si je vous filme, alors je vais voir. Si je vous filme le déroulé, c'est pas vrai, c'est assise.
Si je vous filme le déroulé de la construction de la boîte, je vous le filmerai en rapide. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la boîte, c'est une création d'une créatrice. Donc, je le ferai en vision rapide, en ne donnant aucune indication de taille, de découpe, quoi que ce soit. Parce que ben, je n'ai pas le droit. Ou soit je ne vous filmerai que lorsque j'aurai terminé la boîte. Voilà. Et mange pas mon câble. Donc là, je vais voir. Bon, je vais peut-être quand même le filmer, je vous dis, la construction de la boîte. Et je déciderai après si je le passe sur YouTube ou pas. Mais si je le passe sur YouTube, je le passerai en version rapide. Pour que y a pas, on ne voit pas les détails. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. C'est parce que je ne veux pas avoir de soucis avec la personne. Je ne veux pas avoir de soucis avec la personne. Et donc voilà. De toute façon, je n'ai pas le droit de donner les dimensions et tout ça. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, ce sera une boîte qui aura un compartiment sur le dessus et qui aura un tiroir. Voilà, mais ça, bon, je peux vous le dire puisque vous le verrez à la fin. Ça va? Elle est là, les quatre pattes en l'air. Bon, elle veut pas montrer ses quatre pattes en l'air. Donc voilà, ce sera mon programme aujourd'hui, suivant ce qu'on va faire. J'ai une page de scrap à faire aussi, parce qu'on a eu les photos de l'école de mes petits-enfants. Donc, au lieu de faire trois petits cadres séparément, j'ai envie de faire une page scrap avec les trois photos. Donc, ça, je vais le faire cette semaine. Pas aujourd'hui, pense, non, pas aujourd'hui, bien sûr. Mais je le ferai cette semaine et vous le verrez. Donc, je pense que je filmerai aussi le déroulé de la construction de la page. Voilà. Sinon, voilà. Sinon, ben, gratte pas ma table. Sinon, ben, je suis contente de pouvoir vous refaire des vidéos un peu plus souvent. Voilà, ben, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie hein, dans les commentaires. Je le ferai hein, si je peux, bien sûr. J'ai mon sac aussi à coudre, j'ai pas encore le temps de coudre ce matin. Ben là, il est déjà 11h et ce matin, bon, la matinée a été prise. Je voulais coudre le sac, mais j'avais oublié qu'on avait rendez-vous chez le vétérinaire, donc j'ai pas pu le coudre. Donc, c'est pareil. Je souhaite que je vais le faire cet après-midi. Oh, elle est pleine de colle, elle se met sur ma table, elle est pleine de colle. Donc, on verra. Vous entendez? Elle est en train de griffer ma table. Grosse la vache. Grosse la vache. Une amour à sa maman, ça. Oui, c'est une amour à sa maman. Un bisou. Quand t'es pleine de colle. Tu te frottes sur ma table et puis voilà, t'as plein de déchets. Maman, elle va devoir te brosser. Ouais, maman, elle va devoir te brosser. Un bisou. Fifi. Fifi. Non, tu veux pas faire de bisous? Non, tu veux les câlins sur ton ventre. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc je vais coudre le sac. Je vais en faire d'autres aussi. Et puis bon, tout ça, ce sera mis en vente. Donc, je vous en parlerai très rapidement. Voilà. Bon, bah, c'était une toute petite vidéo aujourd'hui. Là, pendant que je vous fais celle-là, la suite de la vidéo La boîte que je viens de vous montrer est en train de charger, donc elle devrait être très bientôt en ligne. Et puis voilà. Alors j'espère que vous allez toutes bien, que le soleil commence à arriver chez vous. Et du coup, moi je suis pareil, le soleil commence à arriver, donc on va commencer à aller un petit peu dans le jardin pour nettoyer. Et
là, voir comment les fleurs se portent aussi. Donc, c'est pareil, il va y avoir du boulot aussi pour le jardin. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais commencer à préparer ma boîte. Comme je vous dis, je vais la filmer et je verrai par la suite si je vous le mets en ligne ou si je vous mets que la boîte terminée à la fin. Dites-moi justement, dites-moi en commentaire à la fin si, comme ça je saurai. Dites-moi en commentaire à la fin si vous voulez, si vous êtes OK pour voir la construction de la boîte. Mais je vous dis, ce sera en version rapide. Hein, vous ne verrez pas à la vitesse normale, comme là, comme je suis en train de vous parler. Ce sera en version rapide, du début jusqu'à la fin. Ou sinon, est-ce que vous voulez une vidéo juste pour la voir terminée, juste voir la boîte terminée. Voilà. Comme ça, bah, j'aurai ce que vous voulez et j'aurai bah, ce que je dois faire. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour cette boîte. Si vous voulez voir la construction ou si vous voulez juste la voir terminée. Voilà, comme ça, je saurai ce que je dois faire comme vidéo. Allez, je vous laisse. Je vous fais à tous plein de bisous. Fifi vous fait des gros bisous, des grosses échouilles. Hein? Ah, tu veux les grosses échouilles, copine? Oui? Tu veux faire les grosses échouilles? Oui? Un bisou. Fifi, je fais un bisou. Oui. Et voilà, elle a fait un bisou. Et on m'a demandé de faire une vidéo avec Pacha. Promis, je vous en ferai une. Je sais pas quand, mais bon, bientôt je vous ferai une vidéo avec Pacha. J'aimerais le monter dans mon atelier et je vous ferai une vidéo avec lui, promis. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.